Aujourd'hui les amis, on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo les gars. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, dans cette vidéo comme vous pouvez le voir, je suis sur l'accueil de Roblox. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au Secours de France les gars. Alors je vais vous expliquer ce que c'est tout simplement le Secours de France. Alors en fait les amis, le Secours de France, c'est tout simplement cette map où en fait on peut exercer plusieurs métiers. Vraiment, la map elle est bien faite, elle est réaliste et tout. Du coup, on va la tester aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant toute chose, vous n'hésitez pas à liker cette vidéo, bien sûr, à commenter et à vous abonner. Bien sûr, c'est très important ça les gars. Et c'est parti, on lance la map Secours de France RB officiel. Let's go les gars, en tout cas, j'ai hâte en tout cas les amis. En plus, je vais jouer clavier souris. Et oui, parce que là les amis, on ne peut pas jouer manette et c'est ça qui va être un peu chiant. Donc là, dès qu'on spawn, on va attendre que le jeu charge un tout petit peu déjà. Vous avez un peu une vue sur la map. Et quand on appuie sur M les gars, on a totalement la map entière qui s'affiche. Donc là on a un hôpital. Là aussi, là on a des péages, la gendarmerie, la police, la boîte de nuit, le magasin de véhicules. Et là c'est là où je suis. Le petit ping vert les amis. C'est parti, on a chargé. On va dans menu. Donc nous on va prendre les métiers bien sûr. Et là il y a les jobs. Donc les gars, comme job il y a civil. Genre juste on est civil et on doit se faire de l'argent. Donc on peut braquer des banques etc. On peut se procurer des armes. Donc voilà. GN et PN les amis, c'est pas totalement la même chose. Mais bon, on va considérer ça comme si c'était la même chose. On doit patrouiller, on a des armes et on gagne 1 500 € par mois. C'est pas beaucoup mais voilà. Oh, et même ça arrive beaucoup dans le jeu comme vous pouvez le voir. Ma solde est de 44 145 les amis. Ensuite SP, donc les sapeurs pompiers. Ok, c'est pareil hein. Le SAMU, la DSGR pour la dépanneuse, conducteur de bus les amis. Et militaire, voilà. Alors nous qu'est-ce qu'on va choisir dans cette vidéo les amis? Et bien comme vous l'aurez vu au titre, on va choisir le job de GN les gars. Donc je pense qu'après on fera tous les jobs hein. On fera PN, SP, SM. Mais bon, on verra ça plus tard. Allez c'est parti, on va se faire téléporter vers tout simplement la cabine de là où se trouvent les gendarmes. Donc on va pouvoir se changer les gars, hop. Regardez, on va là, on se change les amis. Et ça c'est plutôt cool. Alors on a des tenues d'été. Enfin on a une tenue d'été, voilà. Les tenues routières, etc. Les amis, moi je pense que je vais prendre celle-là. Allez, on va partir sur celle-là. On a des gilets, mais là ça sert à rien car on a déjà une intégrée tout simplement sur la tenue. Donc on a les gilets tactiques, etc. Enfin bref, on ne va pas en mettre pour la vidéo. On a des équipements, on a le radar. On équipe la lampe torche bien sûr. On équipe la fouille. Le bélier, pas besoin. Les menottes, on équipe. Le taser. Le bouclier, on sait jamais, les amis. On équipe le pistolet. Et voilà. On est bon, on est tout bon, les amis. On va aller prendre un talkie-walkie pour notre patrouille, les gars. Et puis on sera bon. Donc, on peut courir. Hein. On appuie sur mage en même temps. Et là, on s'est procuré un talkie, les amis. Et on va se rendre tout simplement là pour eh bien aller chercher un véhicule. Alors, regardez-moi ça, on est sorti. En vrai, ça va, les amis, c'est plutôt réaliste. J'espère que vous entendez bien le son parce que l'autre jour, je l'ai pas réglé correctement. Et en bas, on a une jauge grise. C'est notre jauge d'énergie pour qu'on puisse courir. Allez, c'est parti, on ouvre le spawner. Les amis, moi, je pourrais bientôt me procurer la Skoda. Par contre, les prix sont super chers. Bon, là on a des banalisés, enfin bref. Mais là, les amis, regardez-moi ça. Les banalisés, moi, j'en peux pas. Et ouais, allez, c'est parti, les amis. On a notre petit Kangoo, hein, le petit Renault. Ça fait l'affaire. Hop, N pour démarrer. Oh, le bruit du véhicule. Alors, les girouettes, c'est avec G. Alors, moi, je préfère celle-là et celle-là. Celle-là, je pense que c'est celle que je préfère. Les amis, on a le deux tons. Voilà. Enfin bref, on va voir ça. Alors, vous allez me dire comment on fait pour prendre les interventions. Et bah en fait, on aura en haut à droite l'opérateur qui va nous dire tout simplement quoi faire. Donc voilà les amis. J'espère en tout cas que j'aurai répondu à votre question. Alors, on va aller patrouiller les amis par ici tout simplement. Petit tranquille, petit RP on va dire hein, parce qu'on va croiser bien sûr d'autres gens. Je pense il n'y a pas que moi dans la map hein, les amis. Bien sûr, bon il y a que 3 gendarmeries nationales mais je pense qu'il y a des gens les amis. Donc voilà les gars, c'est parti. Bon là pour l'instant on n'a pas reçu trop d'appels. Donc ça va les amis, on n'a pas reçu trop d'appels. Mais il faut quand même qu'on ait des appels parce que sinon les amis on va très très fortement s'ennuyer durant cette vidéo. On va essayer d'aller voir à la caserne des pompiers, voir s'il y a des gens. On ne sait pas les amis, on ne sait jamais. Ah ouais, il y a des pompiers. Salut les gars.
Salut, salut, salut. Les amis, c'est vraiment surréaliste là ce qui se passe, je sais pas. Alors, vous savez quoi les amis? On va direct se rendre dans l'opérateur. On va direct se rendre dans l'opérateur pour voir si on a quelques informations. Et SGR, des feux tricolores endommagés. Position exacte, l'incident disponible. Ok. On va aller voir les amis s'il est toujours là. Donc là, normalement, ok, on a un petit point comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti, on va s'y rendre les amis. Tout simplement. Allez, première intervention, on va aller voir du coup ce qui se passe, eh bien, sur un accident. Ah oui les amis, j'ai oublié de vous dire aussi, je pars bientôt en vacances au ski. Donc voilà les gars, je vous ferai des petits vlogs. Par contre, on va juste couper le contact. Hein. Voilà, on va se garer. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un? En fait, on va pas se garer les amis. On va voir déjà s'il y a quelqu'un. On va faire les tours. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, hein, les amis. Ça, c'est plutôt chelou, par contre. Alors là, les amis, il faut faire très attention parce que regardez, vous allez me dire pourquoi faut faire très attention parce que derrière le bonhomme en noir, les gens peuvent se procurer des armes avec lui. Donc on va rester patrouillé dans ce secteur, les amis. Mais est-ce qu'il y a la personne Je crois que la personne s'est fait évacuer, hein. C'est plutôt cool. Ok, bah il y a personne, les amis, hein. On est venu pour rien. Enfin, je suis venu pour rien, pour le moins, les amis. Donc c'est parti, on va se désengager. Ah! On a demandé la police, bon est-ce que j'y vais ou pas? On a demandé la police, bon allez je vais y aller. On est pas assez après les amis. Je pense que c'est derrière parce qu'on n'a pas de point devant. Par contre, on a croisé personne les amis depuis ce matin, alors que d'habitude il y a toujours des braqueurs qui font quelques petites bêtises les gars. Donc on va voir, est-ce qu'il va y avoir des malfaisants aujourd'hui? Bon, bien éloigné mais c'est bon, salut. Il y a un citoyen là qu'on vient de croiser, on va rapprocher encore un petit peu plus la caméra. Donc là les amis on a le dépôt de bus, on vient de passer devant, bon, on va quand même se dépêcher. On va éviter de rouler sur les cailloux bien sûr, hein, parce que sinon les amis ça va être très 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 dommage. Allez, allez Gérald, on se dépêche là. En plus je sais même pas pourquoi il y a eu des coups de feu. Ok donc c'est juste ici, on va se garer là. Ok les amis ça y est, donc là on se rend en direct sur le lieu de l'intervention. Là, ah, je viens d'avoir ma rémunération, vous venez de recevoir un virement. 2450 euros sur votre compte. Ok, plutôt cool. Donc là, c'est ici apparemment qu'on a été appelé. Mais il n'y a personne. D'accord, donc ça vaut le coup de m'appeler encore une fois. Et il n'y a personne, les amis. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Ah, elle a accroché mon véhicule. Salut, camarade. Donc, ouais, bah, il n'y a personne. Hein, viens voir. Vas-y, bah, va voir par toi-même, hein, camarade. Il n'y a personne. Hein. Oui, il n'y a personne, mon collègue. Il n'y a personne. Regardez le collègue, les gars. Il est en train de chercher s'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. Les amis, là, il y a un incendie qui a été déclaré. Donc, je vais quand même me rendre sur zone pour voir si c'est pas un malfaisant qui a déclenché l'incendie. Donc, c'est parti, les amis. On va s'y rendre. Le véhicule est bien démarré, hein, oui. Déjà d'entendre des coups de feu. Je rêve là. Non, c'est bon. C'est le collègue qui vient de tirer. Je ne sais pas pourquoi. Là, on a quoi? On a à dire. Allez, on va directement à l'incendie, les amis. C'est parti, on perd pas plus de temps. Allez, let's go, direction l'incendie, les amis. On va voir s'il n'y a pas les malfaisants qui ont été rattrapés par les pompiers, les amis. Donc, c'est parti, là. Allez, let's go, let's go. On arrive bientôt sur zone, les amis. Là, on prend à gauche. Ouah! Le dérapage. Oh là là, c'est une catastrophe, les amis. Il faut vraiment pas que je sois embauché pour les forces de l'ordre. Hein, parce que moi, c'est vraiment une catastrophe catastrophique. Ok, ce serait donc par là. On est là, on est là. Est-ce qu'il y a toujours l'incendie? Je vois pas de fumée, hein. Ah! Ah là 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 là. Ok, il y a l'incendie qui est là. Le pompier, il se barre? Qu'est-ce qu'il fout, le pompier, là? Attendez, on va demander... Hop. On va demander un autre équipage. Mais regardez, le pompier s'est barré alors qu'il y a du feu. C'est quoi, ce bordel? Bon, attendez, on va... Vous savez ce qu'on va faire, les amis? On va appeler les pompiers. On va demander les pompiers. Pompiers... Nous avons besoin de vous. Incendie. Ok, c'est envoyé les amis. Et là, je viens de voir dans les opérateurs, les amis, qu'on avait tenté de contacter... Ah, qu'on avait contacté... Braquage en cours, oh! Braquage en cours. Ok, les amis, on va... Ok, on va se désengager des pompiers là. On va se désengager, le feu, les pompiers vont venir l'éteindre, hein, ne vous inquiétez pas les amis. Les pompiers vont venir faire le nécessaire les gars. Allez démarre, démarre le véhicule. Ok, des bandits sont en train de faire un braquage les amis, on sait absolument pas où c'est. Ah, les pompiers sont sur zone en tout cas. Ok, je sais où c'est les amis, je viens d'avoir plus d'informations. Je sais où c'est par ici. Alors, on a l'habitude de ce genre de braquage les amis, c'est les citoyens qui n'ont pas d'argent, hein, qui viennent ici là. C'est le Crédit Agricole les gars. Le Crédit Agricole vient de se faire braquer. À mon avis, là, les amis, c'est le véhicule
Des malfaisants, des malfaiteurs, les gars. Donc on va aller voir tout de suite dans le coffre. Déjà là, il n'y a personne dans le véhicule, les amis, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, là déjà, il n'y a personne, les amis. Est-ce qu'ils sont dans le coffre? Les amis, on va faire très 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 attention parce qu'un braquage, moi je vous le dis, ça ne rigole pas, les amis. En plus, l'intervention est tombée il y a d'ici là quelques minutes, donc ils ne peuvent pas déjà être partis. Il y a un mec? Ah non, c'est un collègue. Bon bah il y a le camarade qui est là, à mon avis les malfaisants sont partis. Ouais, à mon avis les amis, les malfaisants sont partis. On va vérifier dehors. Ouais non, il y a personne dehors les amis, ils sont pas partis, je sais pas ce qui se passe. Ah donc là on a le dépannage il me semble. Bon bref, les amis, moi je vais rester sur zone en tout cas. J'espère que cette petite patrouille vous aura plu les amis, c'était un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la vidéo. Bon, on va rester, voir si les braqueurs jamais y reviennent les amis. Donc voilà, on va rester sur zone. Et puis voilà, c'est la fin de cette petite vidéo les amis. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un réel plaisir hein, d'être avec vous et de découvrir ça. Et moi je vous dis à la prochaine, tchuss.